voici sur la suite de Rise of the Tomb Raider. Pareil, comme pour Horizon, j'avais prévu de pas parler à la base, je vais le faire quand même. Donc là, on doit aller vers cette lumière rouge là, pour savoir ce qu'il en est. Ça, c'est une nouveauté du jeu, de grimper aux arbres. Donc c'est la suite directe du reboot qui avait eu lieu en 2013 quand on était sur l'île de Yamatai, et ça c'est ce qui se passe par la suite. Lara, toujours pas décidé à entrer par la porte, hein? Mais ça va plus vite par là, papa. Viens par là, espèce de petit singe. Est-ce que tu t'en vas pour une nouvelle aventure? Oui, la plus importante de toutes. À partir de maintenant, je t'annonce que je serai ton assistante. Oh, tiens donc. Eh bien, ma chérie, tu sais que j'adorerais t'avoir comme assistante. Mais ce travail est beaucoup trop dangereux. Lara, écoute-moi bien. Je pense qu'un jour tu marqueras le monde de ton empreinte. Je serai le plus fier de tous les papas. Tu m'excuses, ma chérie, je dois répondre. Moi, je serais dangereux, je ne vais pas répondre au téléphone, vu ce qui va arriver après. Donc, au début. Je pense cette blessure. Au début, on a vu ses ennemis, les Trinitaires. À la fin du reboot de Tomb Raider, quand on est dans le centre de recherche, il me semble, on trouve un message justement des Trinitaires. Il faut de quoi faire un bandage. Ça aussi, c'est une des nouveautés. On peut créer des bandages pour. Les installations datant de la guerre froide. Qu'est-ce que les Trinitaires mijotent là-dedans? Ce chemin a l'air d'aboutir de l'autre côté de la grotte. Je vais devoir affronter cet ours. Donc là, elle marche sur les traces de son père. Cherche un artefact qui. Ce sont des amanites tumouches. Qui, selon la légende, accorderait la vie immortelle. Enfin, la vie éternelle, être immortel, quoi. Ah, encore une nouveauté, fabriquer des flèches empoisonnées avec des champignons. Ce jeu, il était sorti en premier sur Xbox. Exclusivité temporaire, un an. Et un an après, il est sorti sur PS4 en version en édition 20e anniversaire, tous les DLC inclus. Et je pense qu'elle est sortie aussi sur Xbox, je peux pas le confirmer. Donc on cherche toujours les champignons. Mais je crois qu'il y a un tombeau dans le coin, mais je peux oublier. L'ours, il me faut
Une grande partie de ce texte fait l'éloge d'une victoire militaire. Mais il semble avoir abandonné quelque chose, pas moi. Et ça, c'est... ces caches de survie, là, en fait, quand on en approche, il y a la manette, elle vibre légèrement. Et plus on approche, plus ça vibre fort. Enfin, pas plus fort, mais ça vibre plus vite, en fait. Pour savoir si on s'approche ou si on s'éloigne. Et les pièces qu'on récupère, là, les pièces antiques, c'est pour plus tard, pour échanger contre des objets. Pour le moment, je l'ai pas trouvé. C'est écrit, mais pour le moment ça me sert à rien. Non, mais je l'aurai d'avance. Il y en a encore. J'ai appris tout ce que je pouvais à propos du massacre dans le tombeau du prophète. Mes frères ont été tués, tous jusqu'au dernier au cours de ces derniers jours. Les fidèles du faux prophète ont péri par centaines. Mais ils ont fini par l'emporter. J'ai scellé le tombeau du mieux que j'ai pu et dit aux habitants du village le plus proche que le prophète était enfin mort. Je leur ai interdit de révéler l'existence de ce lieu sous peine de représailles. J'ignore si le prophète a survécu, mais je vais suivre leur piste. Nul n'échappe à l'ordre de la Trinité. Les Trinitaires, encore eux.
Je devrais pouvoir faire quelque chose avec tout ça. Je vais retourner au campement, voir ce que je peux faire. J'éviterai au maximum de me servir de l'instinct de survie, mais comme là je tournais un peu en rond, pour éviter que de tourner 3 heures pour rien. Faut que je me repose. Je suis gelée. Épuisée. Bah, sans doute, si gelée qu'en Sibérie. Non, vous allez m'écouter. Cette découverte est beaucoup trop importante. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ma réputation? Ne vous avisez pas de me menacer. Après tout ce que j'ai fait pour... Allô? Allô? Papa, qu'est-ce qui se passe? Imbécile! Tu me fais peur, papa. J'y suis presque, Lara. À deux doigts d'une découverte capitale. Un jour... tu comprendras. Mais je m'en fiche, moi, de comprendre! J'ai juste envie que tout ça s'arrête! Et que tu redeviennes mon papa! Allez, on les tient! T'arrêtes pas! Cours! Descendez-la! Qu'elle allait rester dedans et se faire descendre, tirer comme un lapin. Bon rapport. Où est-ce que vous en êtes? À vous. On a trouvé un autre campement ici. Le feu est encore chaud. Ils sont pas loin. À vous. La liaison est mauvaise. Ne vous éloignez pas. Il faut qu'on les retrouve avant qu'ils organisent un autre raid. Bien reçu. On va ratisser la zone. Ah, mais toi, tu vas rien ratisser du tout. Commandement, on se déploie pour retrouver la piste. Bien reçu. Mais apparemment, ils se sont repliés. Notre objectif principal est de retrouver l'équipe. Merde. Passez le message. Les natifs ont posé des pièges dans la clairière. Ils savaient qu'on allait se lancer à leur poursuite. Putain de merde. Ils se repliaient pas. Ils nous ont bien eus. Ils sont toujours là. Brinker a été tué au combat. Va falloir que... quelqu'un le descende de là. Maintenant, il y a des trinitaires qui envahissent la zone. Donc on peut essayer ou de se faufiler discrètement ou de les attaquer directement. On peut...
peut aussi la tirer en tirant une flèche sur un arbre et ça va la tirer. Dire que eux, c'est pas des arcs qu'ils ont. Attention, la liaison n'a pas encore été rétablie. Attendez-vous à des interférences dans les transmissions. Quand il y a un ennemi à proximité, elle se baisse toute seule pour se mettre, pour se cacher, quoi.
Ils nous laissent s'éloigner du complexe. L'équipe d'Orco avait tout faux. Ils sont pas des paysans. Ouais, c'est une tactique de guerrière. Ils sont directs à aller bousiller nos transmissions dès qu'ils ont su qu'on était là. Merde. Il va nous falloir des protocoles de contre-insurrection. Ça va bousculer tous nos plans. Ça va pas faire à Constantin. Mais bon, il vaut mieux ça que se faire buter dans le noir. Surtout que vous avez pas qu'un seul ennemi, vous en avez deux. L'équipe de recherche n'a toujours pas été localisée. Ça reste notre objectif principal. Ouvrez bien l'œil. Sans que vous ignorez que Lara, elle est là, en fait. Pour le moment. Ils sont même trois. Alors, quand ils sont en rouge comme ça, si par exemple on tire dessus, ça va alerter l'autre qui est derrière. Quand il y en a un là qui est sur le côté en blanc, là, en jaune, on le voit mal. Et, celui qui est en blanc en jaune, si par exemple je le tue, ça alertera pas les deux autres. Et je suis même pas. Non, c'est pas un mec, c'est le truc du tronc. Zut. Mais c'est ça en fait. Quand ils sont jaunes, on peut les tuer séparément. Par contre, quand ils sont rouges, faut éviter de tirer. Si ça peut les séparer. Je vais regarder, je reviens. Bien reçu. Ah, là, flèche. Là, il est passé en jaune, c'est-à-dire si je le tue, son collègue, il s'en rendra pas compte. Je crois que c'était par là. Tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Une flèche. Merde. Il y a du monde dans quoi. Ça me fait par là. J'ai pris le premier vol pour la Sibérie afin de sécuriser l'ancien complexe soviétique. De nouveaux arrivants font constamment leur apparition. Pendant le discours que Constantin a fait pour les nouvelles recrues, je suis resté en retrait pour observer. J'adore l'entendre parler, je m'en lasse pas. La foi n'a jamais été mon fort, mais uniquement parce que les mots n'avaient aucune prise sur moi. Là, ça n'a plus rien à voir. Il révèle la vérité. J'étais un homme brisé, mais la Trinité nous a rendu ce qui nous manquait, une raison d'être. Un monde nouveau nous attend. Même les non-croyants auront leur rôle à jouer.